Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et merci à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Euh, c'est un moment intéressant et émouvant en même temps puisque c'est la première édition de, de, de ce festival que vous devrez chérir et faire grandir puisque c'est un festival d'idées. Ça c'est quand même pas mal. On en a plutôt besoin en ce moment. Et je voudrais en profiter pour remercier euh, ben, la ville de Thionville, euh, son maire, son adjoint à la culture qui a eu cette très belle idée, partagée justement avec euh, des gens qui sont dans la, dans la question associative, qui animent euh, euh, des rencontres, des mots et débats. Tout cela fait sens et, et, et permet qu'on puisse construire comme ça des, des, des territoires. Et vous avez pu le mesurer depuis, euh, depuis jeudi. Euh, le le tableau est, 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 est puissant, les, les gens ont répondu, vous, vous avez répondu nombreux, le public, mais les intervenants aussi de qualité que vous avez pu rencontrer. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'il ben, devient vraiment urgent de repenser le monde, de trouver notre place, de, de nous dire que oui, les choses bougent, changent, mais que c'est aussi à nous, citoyens, de, de les faire changer dans le bon sens et surtout de ne jamais perdre en en tête, cette question qui est fondamentale sur un mot qui peut être aussi creux qu'il peut être beau, c'est le mot de liberté. La liberté est inaliénable. Et on le voit en ce moment, la liberté, elle a un coût, elle a un prix pour beaucoup de gens. Et nous allons en parler ce soir dans cette dernière table ronde. Je suis très heureux de, de l'animer en votre compagnie, puisque nous allons recevoir Galia Kerman, qui est une historienne, journaliste aussi d'origine russe et que vous voyez peut-être euh, occasionnellement sur les sur les plateaux de LCI, euh, elle anime aussi euh, un média en ligne qui s'appelle Desk Russie. La voici. Merci Galia. Si vous voulez bien prendre place tout au bout là-bas. Merci Galia. Donc vous avez un, un grand pedigree. Je disais vous êtes d'origine russe, né à Moscou. Et vous êtes écrivaine, historienne, journaliste, traductrice, spécialiste du monde russe et ex-soviétique, docteur en histoire, chercheuse associée à l'Université de Caen. Vous avez travaillé 25 ans à RFI. Et vous êtes en ce moment la rédactrice en chef passionné du média en ligne d'escrucie qui nous permet de bien et de mieux comprendre ce qui est en jeu actuellement euh, avec euh, ce qui n'est pas une opération spéciale mais une guerre contre laquelle vous vous révoltez et que vous essayez de documenter avec le plus d'énergie et de, de savoir. Voilà. Alors on parlera tout à l'heure aussi de, de vos livres, on parlera des, des, des questions euh, qui vous importent. Nous allons aussi euh, avoir euh, ce soir euh, dans cette rencontre un, un confrère journaliste euh, et romancier, Olivier Truc, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Bonsoir Olivier. Alors vous êtes, euh, ce que j'aime bien, vous avez, vous avez été un, un journaliste localier. Donc là-dessus, on a un point commun. Vous habitez Stockholm depuis 1994, vous décryptez tout ce qui se passe dans ce monde scandinave, au plan politique, au plan économique, mais aussi, vous l'avez observé d'une manière singulière et que j'aime beaucoup, c'est à travers le prisme de la littérature, et même plus précisément, et je crois que les lieux l'induisent d'eux-mêmes un peu, sur le mode du polar. Vous avez écrit un certain nombre de, de romans policiers, toute une série qui se passe justement euh, avec les tribus samis. Vous savez, c'est des lapons qui euh, qui, qui vont euh, avec le, leur reine de territoire en territoire dans des espaces euh, qui racontent énormément de choses sur notre histoire contemporaine. Et pour ces pour ces livres, dont le dernier Lapon, vous avez reçu de nombreux prix, qui est du polar 2013 Prix Mystère de la critique, etc. De très très beaux livres que je vous recommande de lire, pardon. Et euh, vous avez aussi publié très très étonnamment pour moi en tout cas euh, votre dernier livre dont on va parler tout à l'heure et qui est un livre qui est en lien avec le fameux attentat de Karachi, vous vous souvenez certainement, où 11 ingénieurs français, il y a une vingtaine d'années, en 2002, étaient morts dans un attentat. Ils travaillaient justement sur des sous-marins français qui étaient vendus au Pakistan. Il y avait des affaires sombres de rétrocommission. C'est l'époque où Balladur était en campagne électorale contre Jacques Chirac. Mais est-ce que c'était vraiment seulement une histoire de rétro-commission Ça, on va le voir tout à l'heure. Je vous demande également d'accueillir Nicole Bacharan. Nicole Bacharan, que beaucoup d'entre vous connaissent. Bonsoir Nicole, merci de nous rejoindre. Alors si on prend la fiche Wikipédia, c'est politologue franco-américaine diplômée de Sciences Po et les chercheuses associées. Euh, à ces journées de longues années aux États-Unis, c'est vrai, New York, Houston, la Californie, etc. Et il n'y a pas une élection américaine ou un moment américain sans que tous les médias vous téléphonent en disant oh :« Nicole, est-ce que vous êtes libre Est-ce que vous ne pourriez pas nous parler de ci, nous éclairer de ça ?» Il euh, y, y a de quoi, parce que vous êtes vraiment une, une grande, grande spécialiste du monde états-unien. On aura l'occasion d'en parler, mais... Ce soir, vous êtes là aussi pour une autre raison, c'est que vous n'êtes pas seulement une historienne et une politologue, vous êtes aussi une romancière. Je l'ai découvert tout récemment à travers un magnifique livre que vous avez consacré à votre maman, qui était en fait une résistante, qui était dans sa jeunesse une résistante incroyable et qui nous donne aussi, encore aujourd'hui, une puissante leçon de vie. Voilà. Donc on racontera la petite histoire de, de Ginette et la, la grande histoire qui nous est commune de la résistance et du goût inaltérable pour la liberté. Je vous demande également d'accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années, euh, quand il venait d'arriver en France. C'est un poète merveilleux, je vous recommande de, de lire ses, ses poésies, elles sont vraiment passionnantes. Il est né en 1987 près de Damas. Il s'appelle Omar Youssef Suleiman. Il a passé une partie de son enfance en Arabie saoudite. A étudié la langue à Homs. Bonsoir Omar. Merci de vous installer à côté de nous. Merci d'être présent. Et donc, en, eh bien, il a participé de façon... Vous avez participé de façon intense, parce qu'il le fallait, parce que c'était l'histoire qui en décidait à ce moment-là. Au printemps arabe, à la répression... Euh, Infernal qui s'est euh, passé en Syrie, euh, comme beaucoup de vos amis, vos copains, vous n'imaginiez pas que vous alliez euh, risquer votre vie, que vous alliez changer votre vie, qu'il allait falloir fuir, euh, venir se réfugier dans un pays euh, qui, pour vous, j'imagine, euh, était un synonyme de liberté, vous qui êtes un amateur de Paul Éluard et de, de son merveilleux poème. Et depuis, eh bien, vous êtes installé en France. Vous êtes un peu parfois, on en parlait tout à l'heure, toujours le, le, le Syrien de service quand, quand il faut parler des, des choses. Mais, mais ça ne suffit pas. Parce que Omar est quelqu'un qui, qui est aussi installé en France, qui s'est intégré, qui a regardé notre société et qui, qui la voit fonctionner, puis qui est aussi un citoyen monde, et qui voit comment toutes ces choses on, dont on va parler euh, euh, se raccordent, nous interpellent. Et donc, euh, nous aurons en parlé. Et Omar est également un, un romancier. Il était connu euh, à partir de 2018 quand il a publié Le Petit Terroriste, qui a eu quand même un, un, un beau succès, qui est paru chez Flammarion. Et depuis, il y a eu Le Dernier Syrien. Et en 2022, tout récent, un livre très beau, très fort, dont on aura l'occasion de, de reparler, qui est à la fois aussi euh, un livre d'amour, de sensibilité, et puis un, un, un livre qui nous dit, hey, ⁇ Eh mais attention là, regardez voir ce qui se passe chez vous. ⁇ Est-ce que vous croyez que... Il ne faut pas bouger, il faut rien faire. Euh, voilà. Donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sachez simplement que euh, Omar est maintenant naturalisé français. Donc euh, c'est un choix qu'il a fait et nous sommes très heureux de l'accueillir dans, la, dans la communauté française. Voilà. Bon, nous allons donc euh, parler beaucoup de, de géopolitique. Nous allons parler... D'histoire, de littérature, d'histoire personnelle. Et nous allons essayer, au fond, de, de, de relier un petit peu tout cela, parce que nos vies, elles sont tous là, en réalité. Et je vais commencer par Omar, euh, puisque vous étiez un grand amateur de poésie. Vous avez découvert la poésie française, m'avez-vous dit, euh, à travers Paul Éluard. Tout à fait. Et euh, d'abord, ben, me dire euh, pour, pourquoi Paul Éluard dont on connaît le, le grand poème Liberté, bien sûr. Et puis je vous demanderai de, de, de nous dire un de vos poèmes pour, pour nous ah, donner une espèce après. de tonalité à, à cette rencontre qui nous élève. Ça marche. Bonjour. Euh, oui, d'abord, merci pour euh, la ville et pour le festival, pour cette invitation. Euh, vraiment, ça fait plaisir d'être euh, ici, euh, parmi vous. Vous savez, il y a juste. Euh, euh, quelques années, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais en France, un jour je parlerai en français, je vous adressais dans la langue de paul et Loire, donc je suis doublement ému euh, ces jours-ci. Euh, effectivement, ce grand poète, ce n'était pas seulement un poète pour moi, mais aussi un exemple euh, de la liberté, c'était l'homme résistant contre les nazis, et j'ai trouvé comme un sort de métaphore entre euh, son histoire et ce qu'on avait vécu, ce qu'on vit toujours. En Syrie, sous un régime dictatorial fasciste, euh, qui a tué jusqu'à l'instant plus que 500 000 personnes euh, de son peuple, on a plus que la moitié de peuple syrien euh, vit entre, euh, comme des réfugiés ou déplacés, à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie. La Syrie est un pays aujourd'hui euh, changé, n'existe plus malheureusement comme avant, démographiquement, politiquement, géopolitiquement. Euh, était un pays détruit. Alors revenons à, à Paul et Loire, effectivement, je l'avais lu en arabe, car la majorité de cette génération française euh, au début du XXe siècle et pendant la Deuxième Guerre, euh, Paul et Loire, René Char, Aragon, étaient traduits dans la langue arabe, et c'est à travers de ces poètes que j'ai découvert euh, la France, disons ma France, la France de la littérature, de, 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 de la poésie, la France de la, de la douceur. Euh, la France de la culture, tout court. Euh, effectivement, en 2012, quand je suis sorti de la Syrie, où je ne parlais les, aucun mot en français, donc je l'avais lu, j'ai lu toute cette génération euh, en arabe, arrivant en Jordanie, c'était le chemin le plus, le plus courant euh, à l'époque, euh, pour fuir de ce régime, fuir de la police, pour au moins se sentir en sécurité. Et c'est ça le paradoxe voyez, oui, quand on est chez soi, dit chez soi, on est dans son, dans son propre pays et on risque à n'importe quel moment d'être tué par les flics, par, par l'armée. Question de vie ou de mort oui. Ce n'est pas, pas de la littérature, ça. Vous voulez que je parle de quoi Non, mais la question... Bois-le-Loire, justement, je reviens vers bois et loire mais voilà, je suis... merci, Paul. merci de me couper la barbe parce que je suis bavard. Euh, justement, arrivons en France... Euh, après avoir arrivé en Jordanie, demandant l'asile la, politique de l'ambassade française, car la France est connue comme, la pays, comme le pays qui protège les réfugiés journalistes, à Paris on a un sans frontières. Et effectivement, c'était aussi le pays de la littérature, selon ce que j'ai connu de la France pendant mon adolescence. En France, arrivant à Paris, je n'ai pas trouvé Paul-et-Loire. Je n'ai pas trouvé la poésie française. Je n'ai pas trouvé Aragon. J'ai trouvé les babies administratifs, J'ai trouvé la circulation. J'ai trouvé le RERB. J'ai trouvé la la, la la vie quotidienne est très dure, et très difficile. Mais plus tard, des années plus tard, une fois que j'ai appris la langue de paul -et loire j'ai redécouvert ce poète euh, dans sa langue maternelle. Et c'est ça ce qui m'a changé. M'a changé la vie parce qu'à partir de ce moment, j'ai commencé ni au moins penser et rêver dans la langue de paul -et loire J'ai retrouvé une, un sort d'identité dans sa langue puissante et douce à la fois. Et depuis, j'écris dans, dans, dans cette langue, je pense et je rêve dans cette langue, mais je blurre toujours en arabe, bien sûr. Alors, oh, merci. Omar, qu'est-ce que la poésie a de plus qu'elle fait passer dans, dans nos langues, plus que la littérature traditionnelle, puisque vous êtes aussi romancier, plus que euh, les, les discussions, les débats comme on en a aujourd'hui, plus que tout Pourquoi la poésie au-dessus de tout je ne considère pas la poésie comme un art sacré, comme avant, quand j'étais jeune, je me disais que j'allais changer le monde à travers la poésie. Aujourd'hui, je dis que la poésie est partout, et dans la littérature, et même dans la musique, dans l'odeur, dans, dans le parfum des fleurs. C'est un art tellement puissant et tellement léger à la fois. Et les poètes, du pense, ils maîtrisent une langue très efficace euh, qui a un effet incroyable sur les cœurs éveillés. C'est pour ça que les dictateurs ont toujours peur des poètes. Là, on pense encore une fois à, à Paul Éluard. Euh, bon, moi, la poésie, euh, ce que je raconte à travers un poème, euh, je ne le raconte pas dans un roman. Parce qu'écrire un roman, bon, c'est comme si on crée un nouveau monde. C'est bon, dans la poésie, comme si on résume un monde dans, dans certaines phrases, dans un, dans un texte court, où on peut avouer, où on peut mettre euh, l'extrême délicatesse, les plus profonds comme sentiments, euh, dans un texte court euh, et qui reste pour, pour toujours avec sa puissance et sa légèreté, effectivement. C'est la différence entre la beauté et les autres arts, je pense. Galia, euh, j'ai lu aujourd'hui, dans, dans, un, dans un livre qui vient de paraître, qui n'est pas de vous, mais qui est d'un auteur euh, ukrainien, qui, qui écrit en russe, en réalité, dans la langue russe, qui s'appelle Andrei Kourkov que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui vient de publier Les, euh, les abeilles grises, il n'y a pas très longtemps, un magnifique roman. Et là, il sort un, en fait un, un, un journal d'une invasion, donc il a écrit depuis euh, euh, fin 2021, début 2022, il tient son journal, c'est la, la, la toute première partie, et, et j'ai lu une phrase qui... qui qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a fait penser tout de suite à, à vous, au travail que vous faites, à la perception que vous avez de, de, de ce conflit. Si, si, on de, il faut, si on devait le résumer en peut-être un mot, euh, Andrei dit ceci Les Ukrainiens n'ont pas de tsar pour qui mourir. Vous avez deux heures. Oui, c'est vrai que les Ukrainiens n'ont pas de tsar, ce qui est a toujours été surprenant dans la société ukrainienne, c'est une sorte d'organisation horizon, horizontale où la société peut fonctionner sans euh, quelqu'un qui est en haut. Euh, c'est peut-être l'héritage des démocraties militaires cosaques, euh, mais c'est ce qu'on a vu euh, en particulier pendant le Maïdan en 2014. Euh, fin 2013-2014. Euh, J'ai été vraiment sidérée parce que je suis allée plusieurs fois pendant cette période en Ukraine. Et euh, vous imaginez quand même euh, une grande ville comme Kiev, presque 3 millions d'habitants. Le tout centre-ville est occupé par des tentes. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui habitent, qui campent, on peut dire, dans ces tentes. Il y a toutes les semaines, chaque dimanche, une scène énorme qui se remplit d'artistes, d'hommes politiques, d'orateurs. Et à chaque fois, c'est une foule de centaines de milliers de personnes qui se rassemblent sur la place principale. Ce n'était pas organisé par le régime, parce que le régime de Yanukovych, c'était ce contre quoi cette foule se révoltait. Mais. Vous imaginez qu'il n'y avait pas un seul mégot par terre euh, autour de ces tentes, qu'il n'y avait pas, euh, excusez-moi, d'odeur de pipi quelque part. Il y avait des toilettes bio. Euh, il y avait la distribution de la nourriture. Il y avait euh, toute, euh, toute une organisation. Ça s'appelait Automaïdan, euh, de gens euh, qui transportaient les participants à ce campement venu de toute l'Ukraine. D'ailleurs, c'était l'organisation géographique on voyait des tentes Lviv, donc l'anciennement Lvov, euh, des tentes de Donbass, de Donetsk, euh, les tentes de pratiquement toutes les villes euh, de l'Ukraine. Et euh, bien sûr, quand ces gens devaient aller pour raison X en ville... Eh bien, il y avait cet auto-Maïdan qui fonctionnait ou qui apportait le ravitaillement, qui, qui transportait des médecins s'il fallait, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est que les gens, quand ils ont commencé à se remplir les tentes, ils ont élu, élu un commandant du Maïdan qui se trouvait avec un petit QG euh, au, à la maison des syndicats, euh, l'un des immeubles autour de la place. Et ensuite, ça fonctionnait en régime automatique. Et quand vous avez vu ça, vous comprenez que c'est un peuple qui aime beaucoup la liberté, mais qui est capable, justement, sans initiative venant du tsar, de s'organiser et qui, de la même façon, combat aujourd'hui l'ennemi, l'envahisseur russe. Alors c'est ce qui surprend, euh, excusez-moi Galia, je vous interromps deux secondes, c'est ce qui surprend un peu les observateurs étrangers, c'est cette capacité qu'ont les, qu les Ukrainiens à, à prendre des décisions de manière relativement autonome euh, quant au choix de, de, euh, de, 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 de leurs équipes, de leurs interventions, etc. C'est dit et répété, euh, les Ukrainiens sont, des, sont des, des hommes libres. Ce sont des hommes libres tout à fait. Et des femmes, bien sûr. Bien sûr. Et euh, l'organisation, dès les premiers jours de guerre, a été aussi l'organisation, non pas seulement dans l'armée, mais de toute la société. On peut dire euh, pour les Ukrainiens que c'est un peuple en armes. Et je me souviens les tweets, par exemple, les échanges sur Facebook des premiers jours de cette invasion, où chacun spontanément disait comment il allait résister et qu'est-ce qu'il allait faire. Et il y avait des textes absolument épatants. Une vieille femme qui disait, moi, je ne peux pas partir de Kharkiv parce que j'ai deux chats, mais j'ai un vieux <laughs> fusil de chasse, je vais tirer de ma fenêtre. Vous voyez Et donc, tout était comme ça. Je vous donne encore un exemple et je m'arrête. Euh, il y a quelques jours, un ami m'a appelé qui habite dans une grande ville qui a plus d'un million d'habitants euh, de Dnipro, donc à l'est de l'Ukraine, euh, probablement la plus grande ville de l'est de l'Ukraine, et qui me dit qu'ils ont organisé avec des copains une tombola, euh, des copains qui, qui, euh, qui, qui avaient quelques objets à distribuer, quelques antiquités, quelques tableaux, ceci, cela, et donc avec ça... Ils font toutes les euh, semaines une tombola et l'argent qu'ils collectent de cette façon va vers euh, une unité particulière sur le front pour la réparation de, de voitures. Parce que vous imaginez comme il y a le feu d'artillerie nourri, les voitures sont sans arrêt endommagées. Il faut les réparer. Et donc là, un groupe de copains a décidé de faire cela parce que l'ami de, de l'un des membres de ce groupe se trouve dans cette unité. Euh, D'autres vont s'organiser différemment, vont faire des choses différentes, mais c'est toujours une sorte d'initiative de la société civile. Et ça, c'est bien sûr tout à fait épatant. Le nombre de volontaires est quelque chose d'énorme. Je donnerai juste une, une toute petite précision qui donne un ordre d'idée. Euh, c'est dit souvent, mais en réalité, si on, on additionne la frontière euh, Bélarusse plus la Russie, vous savez, il y a 3000 kilomètres actuellement de, 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 de frontières. Euh, c'est énorme, c'est considérable. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut pouvoir dispatcher sur un territoire pareil. Regardez la France et faites le ratio. Euh, il y a 700 000 chasseurs, paraît-il, en, en Ukraine. Il y a 3 millions d'armes, parce que les gens aiment, aiment tirer, donc ils savent tirer, ils savent aussi se défendre. Et il ne faut pas oublier non plus que dans, dans, la, dans la guerre, parce que c'est une guerre, ce n'est pas une opération spéciale, euh, eh bien, depuis 2014, en réalité, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens sont déjà montés au front, ont, ont pris une expérience de, de ce que c'était que, que cette guerre se ce combat face à la Russie. Oui, c'est vrai. Euh, il y a beaucoup de, de morts, malheureusement, beaucoup de blessés. Et maintenant, euh, même moi qui n'ai pas. Euh, J'ai beaucoup d'amis en Ukraine, mais enfin, c'est quand même. Ça compte en quelques dizaines de personnes, ça ne compte pas en millions. Même moi, je connais des gens qui sont morts au front. Donc, euh, c'est quelque chose qui euh, touche énormément du monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que euh, les Russes, par exemple, ils pensaient aussi qu'avec l'arrivée de l'hiver, et c'était un hiver très rude, et généralement à, à, à Kiev et encore plus à l'Est, la température peut descendre à moins 15, moins 20, que euh, tout simplement en bombardant les infrastructures électriques, ils allaient plonger le peuple. Ukrainien dans le chaos, le chaos, que les gens seront obligés de fuir en masse l'Ukraine, qu'il y aura beaucoup de morts euh, et que donc euh, le moral périra. Vous imaginez quand vous habitez au 20e étage, et il y a beaucoup d'immeubles, euh, grands immeubles dans les, dans les grandes villes de l'Ukraine, euh, vous imaginez au 20e étage, par moins 15, vous n'avez pas d'eau. Pas d'ascenseur Pas d'ascenseur. Euh, pas, pardon, de chasse d'eau parce que ça aussi, la, euh, il faut pomper l'eau pour ça. Euh, euh, pas de gaz, euh, pas d'électricité, vous faites quoi Eh bien, bizarrement, même là, euh, euh, la société s'est organisée. Euh, on a vite commencé à produire des petits réchauds, euh, comme pour les touristes qui, euh, qui fonctionnent au fioul. Oui, oui. Euh, on a, euh, euh, on a euh, installé des quartiers euh, en ville, par exemple à Kiev, où on peut venir se réchauffer, etc. Et donc, euh, là maintenant, on est, Dieu merci, deuxième moitié de mars, et le peuple n'a pas été brisé, et l'hiver est passé. Donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont capables de cette organisation euh, et de ce courage. Merci, Galia. Alors, Olivier, euh, ce serait intéressant à, à ce moment de notre rencontre que vous nous donniez, vous qui êtes un observateur, vous êtes journaliste avant tout, écrivain aussi, mais vous êtes installé dans, dans, une, dans, dans un espace qu'au fond, nous, euh, sud-européens, on connaît moins, la Scandinavie. Et c'est plus que la Scandinavie, ce sont vraiment des pays qui sont à touche-touche, particulièrement les États baltes, avec. Euh, entre guillemets, l'ogre russe. Ils ont une expérience qu'on ne connaît pas et j'aimerais savoir comment vous percevez euh, la réaction, l'atmosphère actuelle de, euh, de, de, de toute cette région dont, 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 dont on voit qu'elle a aussi des, des, des moyens de décider de, de se défendre parce qu'il y avait un neutralisme de la Finlande, de, de la Suède, euh, qui maintenant réclame de, de, de rentrer dans l'OTAN, euh, effet induit de la fameuse guerre de Poutine. Bonjour. Euh, le, le, oui, bah les, les Pays-Baltes ont une histoire liée à la Russie, euh, occupée par les soviétiques, euh, république soviétique. On n'aime pas d'ailleurs, euh, dans les Pays-Baltes, j'étais encore en Estonie il n'y a, a pas très longtemps, euh, ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle que c'est des ex-républiques soviétiques ça fait 30 ans qu'ils qu ont retrouvé leur indépendance, ils ont une, une histoire, c'est déjà une ou deux générations de, depuis la, 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 qu'ils ont, qu ont recouvert leur indépendance euh, moi il se trouve que je, je, je suis encore un petit peu, j'ai encore un, un, un doigt de pied on va dire avec le monde et, et je, il y a une nouvelle correspondante depuis des années mais je, je travaille encore un petit peu et, et fin février 2022 il se trouve que c'était moi qui avais la casquette de, de correspondant du, du monde quand les, les Russes ont ont commencé leur leur invasion et, et je suis je, je suis proposé au journal de partir en, en Lettonie dans les dans un pays balte à Daugavpils qui est une une ville la deuxième ville du, de Lettonie qui a une forte majorité russophone qui borde les frontières russes et bélarusses, et, Bélarus. et, et c'était vraiment dans bon là voilà, en fait ils il s'attendaient à dire à cette époque là fin février on pensait encore que Kiev allait tomber peut-être en quelques jours. Il y avait cette pression phénoménale, phénoménale. Mais même jusqu'à jusqu début mars, on était encore. Moi, je me rappelle au monde, il disait "Écris vite ton papier, parce qu'après si Kiev tombe, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le passer. Mmh. Euh, ton papier sur Daugavpils. Donc il y avait vraiment cette tension énorme. Et, et, et les Baltes étaient persuadés d'être les prochains sur la liste. Voilà. Euh, et donc ça. Et ça, c'est toujours vrai. Alors maintenant, ça, la, la donne a changé puisque ils ont vu justement comment l'Ukraine a, a résisté, donc le, le, la fameuse deuxième armée du monde a pris du plomb dans, dans l'aile. Donc euh, ils pensent moins qu'ils vont se faire attaquer à court terme en tout cas par les Russes. Les Russes n'ont pas la capacité. D'ailleurs, une des conséquences de l'invasion de, de, de à grande échelle, comme on dit, de, de, de l'Ukraine par les Russes, c'est que le la, la, énormément de troupes russes qui étaient sur le front nordique et balte s'est vidé euh, beaucoup de, troupes, de ces troupes là ont été envoyées à, en Ukraine notamment moi j'ai fait, fait un papier sur, le, sur le, ce qui s'est passé les, les, les troupes d'élite troupes qui étaient dans la péninsule de Kola euh, ont été des fusils marins et autres euh, qui étaient des troupes aguerries se sont fait complètement euh, quasi exterminés à Kharkiv ou dans d'autres zones donc euh, voilà euh, tout ça fait que je parlais l'autre jour, je faisais une interview l'autre jour avec un, 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 un adjoint de Blinken, secrétaire d'État américain, Derek Chollet, sur cette question-là justement. Et il disait la principale, la principale conséquence en fait du, du, conflit, euh, du conflit ukrainien sur l'Arctique. C'est là-dessus que j'écrivais sur les conséquences du conflit ukrainien dans dans l'Arctique, c'est que ça s'est beaucoup calmé, la tension est beaucoup retombée puisque la plupart des troupes russes ne sont plus là, sont en Ukraine et se font étruits. Être... Il reste des bases de sous-marins, des choses oui, comme ça. Oui, tout à hein. fait, bien oui. sûr. Oui. Mmh. Mais bon, euh, je dirais presque que l'Arctique, c'est encore une étape à venir, on va encore en reparler beaucoup, j'imagine, dans les, les mois et les années à venir. Parce qu'il y a là un enjeu économique qui n'échappe ni à la Russie, ni à la Chine, ni aux États-Unis, ni à personne. Parce que les voies, les voies de circulation commerciale mondiale passent essentiellement par l'eau. Et c'est pour ça aussi que on parlera de Taïwan, peut-être un peu tout à l'heure, et, et de la possession de la mer de Chine, etc. Et des expansionnismes à venir. Parce que l'avenir est pas rose. Mais il n'était pas rose non plus du tout l'avenir pour votre maman. En réalité, cette, euh, ce petit bout de bonne femme, cette jeunette qui avait quoi euh, 16, 17 ans 18, ans 18 ans. Oui, 18 ans. Oui, c'était pas encore la majorité à l'époque, hein, c'était 21 ans. Oui, oui. Et, et euh, elle a été confrontée aussi à l'histoire, comme son père lui-même et, et ses parents eux-mêmes avaient été confrontés à l'histoire. Il y avait eu la guerre de 14 et puis. Euh, et eh bien, ça y est, 20 ans après, on remettait le couvert. Et euh, les gens avaient, avaient une expérience, et elle, elle avait la, la jeunesse, elle aimait ce mot liberté. Qui était cette, cette maman euh, que, vous, que vous avez bien, forcément bien connue <laughs> Heureusement. Eh oui. Mais heureusement, oui. C'est vrai le que, que voilà, j'ai voulu euh, raconter son histoire, l'histoire d'une très jeune fille entre 18 et 20 ans entre 1942 et 1944, euh, qui était une fille euh, pleine de vie, pleine de curiosité, pleine d'envie de découvrir le monde, mais qui venait d'un milieu très modeste euh, et qui avait certes une formation morale, surtout par son, son père, qui avait donc combattu en, en 14-18, mais que rien ne ne prédisposer à devenir une héroïne et qui n'a jamais de sa vie entière pensé qu'elle avait jamais été euh, une héroïne. Et c'est vrai que pour elle, la résistance a commencé euh, quand elle vivait à Toulouse, donc en 42, à l'âge de 18 ans, parce que euh, dans ce qu'on appelait encore la zone, la zone libre, c'est-à-dire le régime de Vichy, et c'était une zone qui n'était pas si libre que ça. Euh, elle a été témoin euh, des contraintes, des menaces, des exactions euh, contre les Juifs et des, des mises à l'écart, des interdictions, des disparitions aussi. Et qu'au fond, sa résistance à elle, elle a commencé très simplement en, avec des, des amis qui lui disaient Ah, tu sais, une telle, un tel, préfère pas rentrer chez lui ce soir, il y a des rumeurs de rafles dans Toulouse, est-ce qu'il ou elle peut, peut venir dormir chez toi et, et en fait, euh, évidemment, elle a accueilli beaucoup de gens comme ça au, au, fil, euh, au fil du temps. Elle, Alors, a également... elle, elle marchait, elle, son carburant, c'était le cœur. Elle était très amoureuse. Ouais. Oui. C'était une, une belle histoire. Elle était très amoureuse d'un jeune juif qui, lui, n'avait peur de rien. Mais je pense qu'ils avaient de toute façon 18-20 ans et que c'est une époque où le. À la fois le danger et le sentiment amoureux vous portent au-delà vous au de vous-même. Et ma mère, donc Ginette, a aidé à cacher le, le petit frère, la petite sœur de Jean Obermann, son amoureux, euh, dans un couvent, euh, puisqu'il y a eu des institutions catholiques qui ont quand même abrité, abrité si ce n'est beaucoup, mais enfin un certain nombre euh, de juifs. Et puis à un moment, euh, elle s'est franchement engagée dans un, dans un réseau de résistance. Euh, le réseau Libération, un des importants réseaux, de voilà. mais c'était pas par euh, par choix politique. C'est un peu le hasard qui l'a guidé. C'était le choix, c'était voilà. le choix du cœur. Mm. C'était le choix de la du sentiment humain. C'était, pardonnez-moi, ça m'émeut toujours beaucoup d'en parler, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix. Mm. En tout cas, vous avez trouvé un titre absolument extraordinaire parce qu'il est à la fois beau et terrifiant. Parce que le titre, le titre de, de, de ce roman qui paraît chez Stock, ça s'appelle La plus résistante de toutes. Donc c'est une qualité quand même quelque part d'être résistante à ce point. Mais celui qui dit ça, c'est là qu'on qu est vraiment interpellé. C'est un type qui est l'équivalent de Klaus Barbie à Marseille. Oui, c'était le Klaus Barbie du, du Midi, un SS qui était connu avec un pseudonyme français. Qui s'appelait Delage et qui faisait régner la terreur dans, dans tout le Midi, et particulièrement les, les Bouches-de-Rhône, Nice, etc. Et c'est lui qui a interrogé ma mère, Ginette, 20 ans, et c'est lui qui, par la suite, puisqu'il a été arrêté, il a été lui-même interrogé lors de son procès, c'est lui qui a prononcé cette phrase-là à son sujet. Bien, on, on reviendra sur, sur cette histoire de votre maman, sur, surtout sur votre, au fond votre, parce qu'on vous connaît bien comme analyste euh, géopolitique euh, sur, le, sur les États-Unis, vous êtes quasiment incalable. On pourrait faire un quiz, euh, on sait qu'on vous donnerait les meilleures notes. Mais euh, se lancer dans un roman, dans un roman intime, euh, c'est quand même euh, une autre aventure. Donc. Euh, Peut-être dites-en tout de suite quelques mots. C'était une autre aventure et en même temps, pour moi, c'était une nécessité. Ça faisait 30 ans que je voulais écrire ce livre. Je connaissais cette histoire. J'étais à un moment, j'étais la seule à la, à la connaître encore et à pouvoir la raconter. Je pensais que je devais le faire. Et je. Comment dire Je pense à notre réunion ici et ces réunions de deux jours. Et je me dis que si on est là, si vous êtes là, si on est là, c'est. Parce qu'on a la passion de la liberté. Et c'est parce qu'on sait que notre liberté est menacée. Et souvent, parce que ma spécialité, c'est de travailler sur les États-Unis, on m'oppose des choses sur euh, l'hypocrisie, voilà, les, les crimes, les errances de, de l'histoire américaine, et Dieu sait s'il y en a eu, et puis le fait qu'ils présentent toujours leurs actions au nom de la liberté. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, ça fait deux jours qu'on débat du sens de la liberté. Mais il y a une chose qui est très sûre, et j'y pense en, en pensant à ma mère, en pensant à ce qu'a vécu Omar, à ce que nous racontent Olivier et Galia, quand on a perdu la liberté, mais alors là c'est super simple, on sait exactement ce que c'est. Et si je pense aux Syriens, aux Iraniens, aux Afghans, aux Ukrainiens, je ne pense pas que pour eux la liberté soit une, une dissertation philosophique. C'est viscéral et je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Merci. Alors, tous les dimanches matin, j'ai un rituel vers 9h à Metz. Je vais chez mon marchand de journaux parce que j'adore la presse, j'en lis énormément. Mais le dimanche matin, c'est le journal du dimanche. Ce n'est pas le journal le mieux fait, mais il y a des bonnes rubriques quand même. Il y a, il y a notamment une chronique hebdomadaire d'une ancienne éditrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Teresa crémisi Et ce matin. Elle m'a envoyé un petit signal dans, dans sa chronique et je me suis dit que j'avais envie de la partager avec vous et avec Omar en particulier. Elle dit, à, à la toute fin de, 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 de sa chronique, où elle parlait justement de, euh, de, de, de la tendance qu'il y a maintenant à réécrire euh, l'histoire et même les romans, les romans de Roldal, maintenant ils sont plus. Euh, voilà, Ils sont plus conformes à la nouvelle société, au regard qu'on a, le wokisme, tous ces machins, les bazars. Et, et elle disait à la fin euh, je, je vous reprenais là-dessus, hein. il est plus facile de s'implanter là où la liberté existe que là où elle est bafouée tous les jours. C'est vous ça Non C'était. Ah, vous pensez oui, Pourquoi non, mais quand vous étiez en Syrie, vous regardiez comment cette Europe. Je pense pas qu'on peut. D'abord, je pense pas qu'on peut demander la liberté, mais on la gagne avec force et avec lutte et avec euh, résistance. Euh, effectivement, je regardais cette Europe, cette Europe ou surtout mon nouveau pays, la France, comme le pays de la démocratie et de la liberté. Plus tard, euh, par exemple, en préparation, pendant bon, que je préparais, ben, euh, j'étudiais ce que l'on appelle le livre des citoyens, après avoir. Euh, alors je vous dis pourquoi je vois quoi cette histoire euh, pendant, pendant que j'ai préparé le dossier de la nationalité française qui était très très compliqué c'était un dossier vraiment de Kafka euh, d'ailleurs ma nationalité a été refusée plusieurs fois pour des raisons administratives qui n'ont rien à voir avec euh, et je pense que ça aussi, la, la, bureaucratie, la bureaucratie limite un petit peu notre, notre liberté mais bon, pendant que j'étudiais cette, euh, révisais cette histoire française même j'ai appris la Marseillaise, si vous voulez. Bon, au cas où, si la préfecture m'a demandé. et, la et à de la plus fin. Le bleu surprenant. Alors, bah, d'ailleurs, l'histoire de euh, Louis XIV, XV, XVI, c'était vraiment très, très difficile pour le Syrien qui vient d'un pays dirigé par un régime dictatorial. Il euh, y a deux choses qui m'ont tellement marqué à l'époque. La première, c'est qu'en posant des questions aux amis français nés ici, sur cette histoire française, ils ne connaissaient rien d'autre comme moi. Voyez. Ça m'a rassuré. Euh, deuxième chose, c'est qu'on n'a pas réussi à arriver à cette liberté, cette démocratie qu'on vit aujourd'hui euh, facilement. C'est-à-dire, on avait besoin de beaucoup de sacrifices. Beaucoup de guerres depuis 1789 jusqu'à. On avait besoin de combien de temps Plus que 100, 100, 150 ans, jusqu'à 1905, pour arriver à la loi de la séparation entre l'État et l'Église. Aujourd'hui, en Syrie, on vit encore avant 1789, mais autrement, c'est-à-dire par, autre, par une autre manière. On n'a pas encore réussi à, à gagner cette, cette séparation ou la démocratie ou la laïcité, ce qui est le rêve des millions des Syriens. Donc à partir de ce moment, car on vient d'ailleurs, on voit la valeur de la liberté et de la démocratie qu'on vit ici euh, en France. Effectivement, cette liberté aujourd'hui est blessée. Je peux dire qu'on vit dans une démocratie... Euh, qui va peut-être mal d'une manière ou d'une autre pour plein de raisons. Peut-être ce n'est pas le moment où je ne suis pas le spécialiste à les, analyser, à les analyser, mais moi je les sens à travers les discours, les discussions avec les gens. Euh, ce livre que vous qu portez, voilà, une charme en exil, je voulais justement adresser cette, euh, ce message, ce que j'ai vécu euh, à côté de Paris, à Bobigny, pendant un an et demi. Et. Euh, ce qui m'a tellement, tellement choqué à l'époque, c'est que la parole, la discussion avec, euh, avec les Arabes ou les musulmans qui vivent dans cette ville, idem pour d'autres, en Seine-Saint-Denis en général, et y compris les imams euh, dans cette ville. Ils m'adressaient comme l'arabe qui, la, qui, qui viendrait de la Syrie, comme le musulman. ce bon, ton, il je suis athée. Mais euh, ils m'adressaient des choses, ils me dévoilaient des choses qu'ils ne dévoilaient pas avec les Français. Mais c'est en quoi ce, ce, ce beau roman. Nous, nous, nous ouvre les yeux parce que nous on peut pas voir tout, tout, tout ça forcément vous avez alors, pu le voir à travers votre propre prisme et, et, la, et au fond la, la méprise qu'il y avait à votre égard de la part des, des imams tout qui à qui fait, disaient, en il fait est notre bord il parle euh, arabe il connaît mm. tout ça et donc euh, on peut lui dire voilà alors ce que je voulais dévoiler là-dedans c'est qu'on a l'idée sur les imams euh, en France c'est que sont tous barbus et bêtes ils n'ont pas faire des études machin c'est tellement faux les imams surtout les frères musulmans sont très intelligents ils sont, euh, ils sont très bien, certains sont, ils ont fait des études supérieures, ils sont très sympathiques et des, grands, des, des très grands manipulateurs. Cet imam, dans le roman, il représente comme, les, comme, le, mec, comme le protecteur de la minorité musulmane vivant à, à Bobigny, de, de la sauvagerie française, en appuyant sur l'histoire de la colonisation. C'est-à-dire, il me disait toujours, euh, l'année 72-63, je ne me souviens plus, quand ils ont jeté les Arabes dans la Seine, on n'est pas loin de ça. Ils vont te, jeter, te rejeter de la scène et rien ne, protége, ne te protège ici. Ils adressaient cette parole presque à tous les jeunes de quartier pour les regrouper c'est-à-dire, ils jouaient avec la peur des gens pour les regrouper autour de lui, créer, créer un, un sort de communauté qui s'appelle les musulmans de la France ou ce que l'on appelle l'islam de la France. Et ça, c'est une, une réalité. On a pas mal d'imams euh, ces dernières années qui parlent de l'islam de la France comme une partie essentielle de cette société. Mais ça, c'est un autre sujet, qui est très, très compliqué d'ailleurs. Mais le plus bleu, le bleu grave là-dedans, c'est à partir de ce moment où coup, je, je pense qu'en notre démocratie, c'est que ces imams, ils ont des avantages politiques. Parce qu'ils pensent, ils savent très bien que les musulmans vont voter. Et ils ont, ils deal avec certains maires. Vous savez ce qu'il m'a tellement, tellement remarqué dans cette ville, c'est qu'en Syrie, dans chaque, je le raconte dans le roman, euh, dans chaque ville ou chaque commune, on avait trois pouvoirs. On avait le policier, l'imam et le fou. Le policier, il, est, il représente l'État. L'imam, le pouvoir ou la, 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 la force de l'État. L'imam, il représente la force de la société. Parce qu'un imam en Syrie, il est très très bien entendu, il est très très bien suivi. Et le fou, il ne représente personne, mais c'est la seule personne qui a, le, disons, la, la possibilité ou la, de la liberté d'expression. C'est-à-dire, lui, il peut, il peut être contre l'imam, contre, contre la police, pour insulter tout le monde. Je me souviens, le président, euh, al el Assad, quand il allait après Ramadan, pendant l'Eid, euh, pour faire la prière, pour qu'il représente comme le mec croyant, machin, il, il serre la main de, à l'imam, puis il marche côte à côte pendant, bah, devant les caméras. Et donc, juste la ce qui à Damas, il y avait les fous, euh, des mecs euh, idiots qui l'insultaient, et le président. Le, C'était les seules personnes qui avaient vraiment la possibilité d'être libres, disons, en Syrie. Ce qui m'a choqué à Bobigny, il y avait un sort de ces trois pouvoirs qui n'ont rien à voir avec les trois pouvoirs français. Euh, il y avait le policier, c'est-à-dire l'imam, il deal avec les polices, ce qui est tellement vrai. Il y a pas mal d'enquêtes, euh, surtout sur la scène bon, euh, euh, Saint-Denis. Et il y a euh, l'imam qui représente le pouvoir de ses, des dealers des quartiers qui qu lui paye de l'argent euh, d'ailleurs ce qui les protège qui les dirige sans avoir des problèmes, vous pouvez continuer votre marchandise mais il ne faut pas avoir des problèmes Et les policiers sont contents parce que lui il est écouté, il a euh, cette, cette, euh, cette capacité euh, de protéger les quartiers des problèmes alors il me reste le fou que j'intègre dans le roman qui est aussi euh, vrai, c'est un mec ivre qui vit dans un sort de chagrin d'amour il est contre, contre tout le monde euh, dernière chose que je voudrais dire sur le roman, que le narrateur, d'ailleurs c'est un roman d'inspiration autobiographique, c'est vraiment ce que j'ai vécu, euh, l'idée principale pour lui, qu'est-ce qu'il veut enfin, en France Il veut être intégré, il veut être accepté, il veut être euh, il vaut rattraper à une identité perdue après avoir, après avoir sorti d'un pays en guerre qui s'appelle euh, la série Trouver, genre, genre une sorte de communauté, mais pas une communauté religieuse, une communauté humaine. Dans son nouveau pays. C'est bon, euh, l'extrême droite, il lui dit rentre chez toi. Ce que je souffre tous les jours sur les sociaux, ils me disent rentre chez toi. Alors, moi, j'aurais bon, oui, que je rentre à Paris parce que c'est chez moi, <laughs> ou à Bastille, si vous voulez. Euh, l'extrême gauche, ils il l'accusent, et c'est aussi ce qui m'arrive tous les jours, malheureusement. Moi, je les appelle la gauche halal en France. ceux so, qui, nous, ils n'acceptent pas qu'on critique la religion, comme euh, une religion comme l'islam, parce qu'ils considèrent cette religion comme une identité. Et c'est vraiment. Aussi le même discours des frères musulmans en France, malheureusement. C'était tellement choquant. Cette gauche, à la place de représenter la laïcité, aujourd'hui, elle représente euh, les frères musulmans d'une manière ou, 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 ou d'une autre. C'est-à-dire, ils ont laissé le terrain pour l'extrême droite, pour représenter la République, à la place qu'il soit, qu soit leur, leur propre rôle. Juste pour finir ceci, le narrateur dans le roman, tout ce qui l'intéresse, il s'en fiche complètement de l'imam, il s'en fiche complètement de ce discours politique. Il, il remarque une voisine qui vit dans côté, sur l'autre côté de la rue, qui est tellement brillante, et belle, charmante. Donc, il essaie, essaie de la. En la suivant, il trouve qu'elle euh, qu fréquente la salle de, de l'imam et il se demande qu'est-ce qu'une femme comme elle fait dans cette salle. Donc, elle fréquente l'imam seulement pour. Euh, Pêche la voisine, comme on peut dire, bah, euh, draguer la voisine. Et là, il découvre un monde imprévu, un, un très, très choquant, euh, devant, le, devant lui. Et bon, je raconte pas c'est sinon, il n'achète pas. Bah oui, monde, il faudra là. le lire. Il faudra le lire, bien sûr. Non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fascinant et passionnant dans, dans, dans ce livre, et, et que moi, je, vraiment, ce qui m'a ébloui en réalité, c'est la, la simplicité de la langue. La, L'espèce de côté, justement, un peu, un peu naïf au fond du personnage qui, qui se promène dans tout ça, au milieu de tout ça, qui est amoureux d'une fille qui découvre en face de chez lui. Et, puis, et, et, et euh, par le biais du, du roman, par le biais de quelque chose euh, euh, qui est une langue et un monde, vous, vous, vous faites le. À la fois un documentaire et, et, et puis quelque chose qui, qui nous avertit aussi, qui nous parle bien Merci, de la langue. Ça ce que vous dites. Ouais, ça, ouais. Justement, moi j'adore oui, la légèreté dans la langue. C'est-à-dire voilà. présenter les grandes affaires avec légèreté, avec humour aussi, parce qu'on a vraiment besoin. Et de l'humour aussi. Sinon, on va ouais. se suicider quand même. Et ça, c'est beau quand même, vous voyez, garder la, la lucidité de la langue. Euh, je ne sais pas si j'ai réussi, mais. Euh, oui, si, oui, oui vous avez réussi. Pourquoi bon, C'est bon, <laughs> euh, Ce troisième roman quand même, c'est pas mal. Euh, Olivier. Il euh, y, y a une question qui nous occupe tous les deux, légitimement, c'est qu'on est journaliste et qu'on on, s'intéresse beaucoup aussi, parce que nos pères s'appelaient euh, Kessel, parce qu'ils s'appelaient euh, Albert Londres, etc., on, on s'intéresse beaucoup à ce croisement qui peut exister entre, entre la littérature et le journalisme porter le, le, le fer dans la plaie, ok, mais avec élégance quand même, en, en, en mettant un peu de panache. Ce que vous avez fait là avec votre avec votre livre sur cette histoire de Karachi. Euh, c'est ça. D'abord, c'est un roman où on, vous a, on vous attend en Laponie et vous, vous débarquez à Karachi, euh, au, au Pakistan. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous êtes saisi de, de, ce, de cette question et, et, et qui, est, qui est à la fois un fait divers hein, de notre point de vue français On le rappelle, il y a 20 ans, euh, cet attentat qui, dans lequel euh, 13 ingénieurs français sont morts qui étaient en train de, de travailler sur des, des, des sous-marins qui devaient être livrés au Pakistan. Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous a accroché comme journaliste et qu'est-ce qui vous a euh, fait choisir ce, ce moyen du roman En fait, d'abord, c'est cette question qui m'a saisi. C'est pas le contraire. C'est pas moi qui me suis emparé de cette question. C'est cette question qui m'a saisi dans le sens où il y a sept ans, j'ai été invité à, euh, à un festival de littérature à Karachi. Et à l'époque, c'était pour parler du dernier Lapon, donc mon premier roman qui se passe en Laponie, donc il y a une connexion quand même entre la Laponie et Karachi, qui, était, qui vous a échappé mais qui est évidente, il me semble. Hein, mais... Et à l'époque, j'étais en train de travailler, euh, euh, non pas sur une suite du dernier Lapon, mais j'étais en train de travailler sur un, un roman, un roman d'aventure historique, qui se passe au XVIIe siècle, euh, qui, qui met en scène la, 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 les débuts de la colonisation de la Laponie par les Suédois. Donc je baignais dans la Laponie euh, de nos jours ou dans, dans, dans le passé. Mais en tout cas, j'étais ça, je suis invité là-bas. Puis on me propose, on me dit, tant qu'à faire le voyage, est-ce que vous voulez faire une résidence d'écriture à Karachi J'ai dit oui tout de suite. Donc j'ai passé un mois à Karachi. Donc à travailler sur le XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passait là-bas C'était l'Empire moghol, passionnant. Et puis, un euh, ben, Karachi de nos jours, euh, y a, en gros, il n'y a, a pas un touriste déjà. Il n'y a quasiment pas d'étrangers. Euh, c'est une ville assez violente, on va dire. Et, et Combien et 10 millions d'habitants oh, Ils sont entre 15 et 20 millions d'habitants. 15 et 20 millions. Ouais, ouais, c'est le, le, le débouché sur la mer du Pakistan. C'est un des débouchés sur la mer du Pakistan. Il y en a plusieurs, mais, mais c'est le, le grand port de Karachi qui sert de porte d'entrée aussi à tout le, tout le commerce vers l'Afghanistan. Tout ça, Donc c'est très, très bruyant. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de... Voilà. Et, et le, le, donc, je suis, je suis là-bas et c'est un Français à Karachi euh, comme on n'est pas très nombreux, euh, assez vite, euh, ce sont des Pakistanais qui viennent me parler de l'attentat de Karachi en 2002. Euh, et ça démarre comme ça, en fait. Ça démarre comme ça. Euh, et ce qui me touche beaucoup. Parce que de fait, comme vous l'avez dit, le Karachi, c'est pas ma zone de couverture comme journaliste étant basé à Stockholm. Hein. Euh, et ce qui me touche beaucoup, ce sont ces, des Pakistanais en fait qui viennent me secouer en me disant, mais vous Français, pour vous, l'attentat de Karachi, euh, ce sont des euh, c'est une affaire de corruption, c'est les rétrocommissions, c'est un scandale politico-judiciaire. Mais, les nous, on pour, euh, Mais le... nous, on s'en fiche de ça. Mais nous, on s'en fiche de ça. Donc, euh, ce n'est pas notre histoire. Et, et, et ce qui me disent, c'est est-ce que ça ne vous intéresse pas euh, de savoir qui sont les meurtriers de vos ingénieurs Qui a appuyé sur le bouton Qui a déclenché la bombe Ça ne vous intéresse pas parce que l'enquête au Pakistan, elle est morte, complètement morte. Et que ça vienne d'eux, c'est ça qui a, qui a été le déclic pour moi. Et, et, et le fait alors que vous le passiez à la, moulette, à la moulinette du roman comme euh, vous deux, à la, à la moulinette de l'intime, parce qu'au fond c'est un jeune journaliste, en, en, en l'occurrence quelqu'un qui vous ressemble, euh, qui a été aussi jeune localier et qui, qui se lance dans un truc dix mille fois ouais. plus grand que lui, et, 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 et puis voilà, euh, c'est le, le. Moi j'étais oui. Alors c'est vrai que le, le personnage de Jeff Keral, c'est un jeune journaliste qui, qui travaille dans la presse de la Manche. le, le de Cherbourg, là où est installée la, la, la compagnie la DCN à l'époque euh, qui construit les, les, les sous-marins à Karachi. Et moi, c'est vrai que dans ma jeunesse, euh, j'étais jeune journaliste à, à Montpellier et je travaillais dans un, à la gazette de Montpellier, que vous connaissez tous, bien évidemment. On la lit tous <laughs> les jours. Bah, évidemment. Euh, et, et moi, je, je rêvais de grands reportages à l'étranger. Euh, et, et en fait, je suis parti en 88. Mon premier reportage complètement euh, neuneux, j'allais dire. Euh, je, suis repart, je suis parti au Liban pendant la, pendant la guerre civile, euh, n'ayant aucune expérience de ça, mais c'était pour moi mon, espèce de, mon, mon voyage initiatique de, de journaliste. Si ça avait été 20 ans plus tard, je serais parti au Vietnam, j'imagine. Et ça a été ça. Et Jeff Kerrall, c'est lui, bah c'est Karachi. Je l'ai envoyé à Karachi. Galia. Vous, vous n'écrivez pas de roman. C'est presque dommage. Hein. J'espère que vous aurez le temps un jour. Mais là, vous m'avez bien expliqué que l'actualité ne vous le permettait pas. Parce que là, vous êtes quasiment euh, investi, au fond, d'une mission qui est de, qui est de dire. Euh, de savoir et de faire savoir. C'est important, ça, ça vous mange toute votre vie, c'est le sens de, de, euh, de, de votre action. Et vous m'avez dit aussi quelque chose sur, le, sur quoi je voudrais qu'on qu revienne justement, euh, puisqu'on parle de, de, de l'Ukraine. On a décrit tout à l'heure les Ukrainiens comme des gens qui étaient quand même un peu des individualistes, qui n'aimaient pas s'en faire raconter euh, euh, par les autres, etc. Contrairement à Poutine qui dit Moi je, et vous suivez tous. Bon, voilà, il. Ils peuvent faire et défaire des, des, des présidents, etc. Ils sont grognons aussi comme les Français. Mais est-ce que, est -ce que cette histoire qui est en train de s'écrire n'est pas aussi quelque chose qui, qui est très très important pour l'Ukraine et qui va la rimer définitivement à travers sa langue, sa culture et son cœur vers, vers l'Occident euh, je pense ça, bien sûr. Euh, vous savez, euh, ce qui est intéressant euh, dans l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, une grande partie de l'Ukraine euh, contemporaine, a fait partie de l'Empire russe. Donc euh, le pays a été pendant 300 ans russifié. Euh, L'Ukrainien n'avait pas le statut de langue tout court. Et euh, il y avait des périodes entières euh, sous le régime tsariste où il a été même interdit euh, de publier en ukrainien ou de mettre en scène des spectacles en ukrainien. Et malgré, euh, malgré cela, euh, la culture de ce peuple, qui n'avait pas d'État, euh, comme par exemple les Kurdes n'ont pas d'État, mais néanmoins, clairement, euh, c'est un peuple. Euh, donc euh, les, les Ukrainiens ont, commencé, ont continué et dès que la possibilité se présentait, comme elle s'est présentée à la fin de l'Empire russe, quand le Tsar a abdiqué, euh, ben le lendemain, on peut dire, les Ukrainiens ont proclamé leur république. Et euh, quant, euh, quant à ce qu'on appelle communément la guerre civile, c'est-à-dire la période après la, la révolution d'octobre, quand les armées tsaristes, mais aussi tout toutes sortes d'autres forces, se battaient les uns avec les autres, en fait, en grande partie c'était plutôt une guerre impérialiste qui ne disait pas son nom, euh, du peuple russe nouvellement soviétique euh, pour récupérer les territoires de l'Empire qui ont tout de suite proclamé la sécession. Et c'est vrai que euh, bon à l'époque euh, il y avait bien sûr cet idéal quand même communiste, société sans classe, tous ces jolis, jolis récits totalement faux, euh, qui euh, ont fait qu'une partie des Ukrainiens aussi euh, s'est jointe à, à ces forces de l'armée rouge, etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque soviétique, après la guerre, euh, dans, les camps, euh, dans les camps, la population euh, parmi les prisonniers politiques la plus importante, c'était les Ukrainiens, qui se battaient pour leur culture. Pour leur langue et contre le régime soviétique. Et ce qui est aussi tout à fait incroyable, que quand l'Ukraine a été euh, proclamée indépendante en, en, à la fin de 91, on a très vite compris que c'est un peuple qui a un germe de liberté dans dans, dans, dans son sens, si l'on peut dire. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que le premier Maïdan, euh, c'est-à-dire la première révolte populaire ukrainienne, ce n'est pas 2013-2014, c'est 2004 et début 2005, quand les Ukrainiens se sont insurgés en masse contre les élections falsifiées. Et ils ont gagné, ils ont gagné euh, la Cour suprême de l'Ukraine. A demandé la tenue d'un troisième tour d'élection euh, présidentielle. Et ensuite, en 2013-2014, le peuple s'est révolté parce que le président de l'époque, euh, Viktor Yanukovych, qui était un pro-russe euh, totalement notoire, et Poutine croyait qu'il était acquis à ses thèses, donc euh, Poutine a fait une pression sur Yanukovych pour que Yanukovych, au dernier moment, ne signe pas euh, un acte euh, donc, euh, qui euh, était le premier pas, on peut dire, dans l euh, le rapprochement et l'arrimage de l'Ukraine à l'Europe, le partenariat oriental. Et donc, euh, maintenant, vous savez, il y a eu des à plusieurs reprises, euh, les journalistes me demandent... <laughs> euh, est-ce qu'il euh, est possible que l'Ukraine accepte euh, une paix qui ne soit pas la restitution complète de ses territoires que Ça, ça s'appelle un armistice, ça s'appelle pas une paix. Euh, voilà, mais même l'armistice. Est-ce que euh, Zelensky pourrait accepter la perte d'une partie des territoires, au moins une, une partie qui sont actuellement occupés par l'envahisseur russe. Et moi, je dis, et après l'avoir euh, avoir dit la première fois, j'ai quand même par prudence demandé à un nombre d'Ukrainiens est-ce que j'ai raison J'ai dit Zelensky ne resterait pas président. S'il accepte, il sera renversé Merci. par le même peuple en armes, parce que le peuple ne lui permettra pas. Il est, il est un président absolument génial, mais il est génial parce qu'il est en unisson. Avec son peuple. Si l'unisson est rompu, il va valser. Hmm. Voilà, c'est ça l'Ukraine. Oui, oui. Ben, cette cette Ukraine-là, Nicole Bacharan, vous, vous qui regardez beaucoup du côté de, de l'Ouest des États-Unis, est-ce que vous avez eu une intuition, un flair, euh, se disant que lorsqu'on a vécu ces années euh, Trump, s'il si y avait eu cette, cette guerre, cette invasion, au moment de Trump, qu'est-ce qui de qu'est-ce qui se serait passé Comment les Américains et les Européens auraient pu réagir Écoutez, évidemment, ça restera de la politique fiction, hein. mais néanmoins, euh, depuis le début de depuis le début de la guerre, Trump, ancien, en tant qu'ancien président, s'est exprimé et il a dit si j'avais été président, si j'aurais fait la paix en 48 heures parce que Poutine me respecte. Fair enough, comme on dit chez moi. Et, euh, et ensuite, il ne faut pas envoyer d'armes à l'Ukraine mmh. pour que ça s'arrête. Voilà, donc euh, je ne pense pas qu'il aurait été dans un état d'esprit différent. Mais, euh, mais c'était bien était... sûr, vous m'avez vu venir, c'est une question valise parce qu'on est toujours, on est au midterms maintenant et on sent pointer euh, du côté du Congrès, du côté euh, de, 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 de la droite américaine, euh, une nouvelle tentative de, de, de position différente, etc. Qu'est-ce qui peut se passer en réalité oui, c'est vrai ça, que moi je suis, je suis inquiète pour le soutien euh, américain à l'Ukraine et, et même à, à nos démocraties en, en général. Alors c'est vrai que, sans remonter très loin, mais euh, au, à la fin du mandat de Trump, de toute façon, la confiance avec l'Europe était rompue et même si elle est. De nouveau là, elle n'est pas définitive. On sait très bien qu'il y a 30 000 électeurs du Wisconsin qui peuvent nous faire basculer, euh, ou, ou de Pennsylvanie, ou d'ailleurs, dans, dans un autre monde, que notre avenir des, euh, dépend, dépend de ça. Mais c'est Poutine qui a redonné une vie incroyable à l'Alliance transatlantique, euh, à l'OTAN, et qui a ramené des dizaines de milliers de troupes américaines en, en Europe. C'est complètement... Complètement extraordinaire. Mais on est effectivement en campagne électorale, comme toujours aux États-Unis, ça ne s'arrête jamais. Et que l'on, du côté d'une certaine droite, que moi je qualifie d'extrême droite, il euh, y a une remontée de la vieille tradition isolationniste. Euh, qui est aussi vieille que les États-Unis, on est loin de tout, on s'en fout, pardonnez-moi de le dire ainsi, on est entre deux océans et que le reste du monde se débrouille. Ça a été présent à maintes reprises et ça a toujours très très mal fini. Parce que la question fondamentale qui s'est posée à chaque grande crise de l'histoire depuis que les États-Unis existent, c'est est-ce que la démocratie américaine peut cohabiter avec un régime totalitaire tel que le fut le nazisme, tel que les... La, la Russie d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des voix aux États-Unis pour dire ça ne nous concerne pas, on est trop loin et ça coûte trop cher. Et évidemment, on ne veut pas que nos enfants euh, meurent là-bas. Et que nos enfants meurent, ne meurent pas là-bas, moi, c'est quand même l'argument qui me touche le plus. Mais le fait est que ça s'est toujours révélé une illusion. Les Américains ne voulaient pas s'engager en 14, je comprends très bien pourquoi. Mais ils ont été obligés d'y aller, ne serait-ce que parce que le, ce qui était alors l'Empire le, prussien euh, menait une guerre sous-marine. Outrance dans l'Atlantique et que le commerce n'était plus possible. Les, les, les Allemands ce fameux commerce. Voilà, ils hein. voulaient iso isoler la Grande-Bretagne, la France, mais le commerce, quand même, à sa, à sa part. Oui, oui. Et il n'y avait pas de choix. Et, et Churchill, été... c'est pareil, quand il a demandé aux Américains de venir, euh, il ne bougeait pas. Et, et Roosevelt, qui, bon, qui était une personnalité extrêmement compliquée, mais savait depuis l'avènement d'Hitler que la guerre aurait lieu et que les États-Unis devraient s'y engager. Mais il, était, il a été obligé d'y aller presque à reculons parce que le Congrès et la population ne le suivaient pas dans l'illusion que la démocratie américaine pourrait survivre dans un monde euh, dominé par Hitler, avec une Europe à genoux, euh, à genoux devant Hitler. Or, ces régimes-là ne peuvent pas cohabiter avec la liberté et les, les pays libres ne peuvent pas cohabiter sur la même planète. Donc je sais qu'aux États-Unis, le risque est grand d'aller vers un isolationnisme où on se dit, bon, ça nous coûtera moins cher et on épargnera également nos, nos troupes. Mais même si ça s'affaiblissait, ça, ça pourrait être tragique, je pense que tôt ou tard, ils seraient ramenés en Europe pour défendre cette liberté européenne qui est aussi la leur. Alors, il est urgent, euh, en, en deux mots, de ne pas ouvrir un autre front, qui est le front chinois, avec Taïwan. Il vaut mieux temporiser actuellement pour les ouais, Américains. Je pense qu'il vaut mieux que les Chinois n'attaquent pas Taïwan. Oui, parce que là, <laughs> la seule ça deviendrait manière très de temporiser, à mon sens. Ça deviendrait très compliqué. Hein. Ça, ça deviendrait extrêmement compliqué. La Chine devient une puissance de plus en plus totalitaire, avec un président à vie, une, une, une armée de plus en plus forte et une vision extérieure de la Chine qui est presque unique dans, euh, dans leur histoire. Et tout comme la, la Russie ne pouvait pas tolérer un modèle euh, démocratique à sa porte, les Chinois n'arrivent pas à tolérer le modèle démocratique de Taïwan à 150 kilomètres de leur côte. On, est et on voit le... ce qu'ils ont fait de Hong Kong, etc. Voilà, voilà. Voilà. Olivier, pour rebondir sur ce que disait Nicole Bacharan, si jamais, jamais les Américains avaient la tentation de lâcher l'Europe et l'Ukraine, euh, comment vous voyez s'organiser justement tous, tous ces États du Nord et la Pologne en particulier et de l'Europe centrale Qu'est-ce qu vous, vous pensez qu'ils ils vont faire rempart malgré tout ils vont se non, mais il faut, bon, ils n'ont pas la capacité de défense pour faire rempart à la Russie sans, sans l'aide des États-Unis et du reste de l'Europe. Mais il y a évidence. toujours un, 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 un bouclier atomique ou des choses comme ça. Oui, mais, oui, mais qui, qui l'utiliserait Je ne sais pas. Euh, je ne suis pas sûr que les Baltes soient persuadés que les Américains viendraient mourir pour eux. Hein. Euh, euh, moi, j'avais été frappé ce printemps quand, quand j'étais. Encore un reportage pour Le Monde, il y avait des manœuvres de, de l'OTAN dans le nord de la Norvège. Il y avait aussi des soldats suédois et finlandais, donc pays libres d'alliance, mais qui participent depuis 1994 au partenariat pour la paix, qui est une extension de l'OTAN sur les pays non membres de l'OTAN. Et, et en parlant avec les soldats suédois, et finlandais, il était très clair que ce sur quoi ils misaient, c'était d'abord... Une, 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 une coopération approfondie entre pays nordiques, puisqu'ils se connaissent et ils se font plus confiance qu'attendre que les Américains arrivent en même temps. Et, et on le voit bien avec, avec l'Ukraine. Je veux dire, le, si, si demain euh, les États-Unis arrêtent d'aider militairement l'Ukraine, l'Europe n'est pas à la hauteur. De toute façon, on, on, on l'Europe met beaucoup d'argent en Ukraine sur le plan économique, humanitaire, mais pas tellement encore au niveau niveau militaire. Donc c'est vraiment les États-Unis qui sont le, 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 le poids lourd, énorme et irremplaçable à ce jour. Donc euh, euh, je pense que si, euh, moi je pas de boule de cristal, je suis pas géopoliticien que ce soit, mais, mais les Baltes sont très seuls quand même. Euh, et il y a eu vraiment cette inquiétude. C'est pour ça qu'ils sont si vindicatifs, les, les Baltes et les Polonais aussi vis-à-vis -vis du reste de l'Europe, pour dire, attendez, c'est pas des rigolos les, les Russes. Euh, ça fait 30 ans qu'on vous le dit, vous nous écoutez pas. Bah, là, vous commencez un petit peu... À nous écouter, mais on voit bien en même temps que du côté de. Il y, y a une approche différente à, à Berlin, Paris, euh, Londres aussi, qui, sur la ligne américaine, de dire bon, attendez, quand même, la diplomatie, c'est pas mal, il faudra peut-être y penser alors que les Baltes et les Polonais ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Nicole, rapidement. Oui, juste, juste un mot euh, euh, là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas de défense européenne possible sans, sans l'OTAN. Mais c'est vrai, mais malgré tout, même si je manifestais mon inquiétude au sujet des prochaines élections et des options qui pourraient être prises, euh, l'aide américaine à l'Ukraine, elle est votée pour longtemps. C'est une grosse machine, à la fois financière, à la fois vis-à-vis -vis des fabricants d'armes. Euh, en ce qui concerne le Pentagone, une fois que ça s'est mis en route, quand même, ça, ça va durer longtemps. On a quand même encore du temps devant nous avant euh, que, que, voilà, que les, le vent à Washington ne, ne tourne. Mais je pense que cette guerre est, est tellement grave que j'espère malgré tout que les, les Américains resteront dans l'idée que leur intérêt et de défendre la paix en Europe. Omar, euh, petite question géopolitique aussi, après tout. Euh, on, on vient de voir récemment, très très récemment, que la Chine avait euh, rassemblé euh, euh, l'Arabie saoudite et son ennemi héréditaire, l'Iran. Et qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces grandes manœuvres euh, euh, moyen-orientales qui ont aussi à voir avec l'état du monde et, et, et leur, et, et, qui est en train de se redessiner, évidemment. Je pense que d'abord, la situation au Proche-Orient est, est toujours compliquée. Personne n'a imaginé il y a seulement euh, deux ou trois ans que al Assad euh, reviendrait un jour, comme ce qui se passe ces jours-ci, euh, dans les bras de plusieurs États arabes. Euh, euh, on a vu il y a quelques semaines seulement quand le. le, où le, le, le le ministre de l'extérieur euh, égyptien a visité Damas. Erdogan a commencé à parler de la possibilité de rencontrer Assad. Euh, L'Arabie Saoudite aussi, justement, elle a parlé de renaturaliser les relations avec, avec lui. Assad était à Oman, il était aux Émirats. Bref, donc il y a des. Je pense que la situation en Syrie il joue un grand rôle dans cette relation entre l'Iran et, et, et l'Arabie saoudite. Et le et Yémen, bien sûr, parce qu'en fait, l'Iran a aidé beaucoup les Houthis pour attaquer l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite a écrasé euh, beaucoup de civils au Yémen avec euh, grande sauvagerie. Et justement, ils ont utilisé des armes françaises. Bon, ça n'a rien à voir, mais il faut vraiment aussi enquêter. Il y a une enquête très intéressante sur le sujet. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, car la Chine réunit les deux, euh, ça, c'est une réponse euh, forte et contre les États-Unis. Euh, et ça, c'est aussi lié à la guerre euh, en Ukraine. Je pense que rien, rien, euh, tout est lié à, à tout dans le monde où on vit. Yeah. Et je pense que cette, euh, cette nouvelle relation, c'est selon l'avantage, enfin, et le, de l'Arabie saoudite et celle de, de l'Iran, parce que tous les deux ont besoin. Euh, bah, L'Iran a besoin de l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite a besoin de l'Iran, justement pour la sécurité avant tout, parce que on a, on a des mouvements chiites euh, en Arabie saoudite qui menacent le pouvoir. On a des sunnites en Iran qui menacent aussi le pouvoir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est pour des raisons économiques, euh, surtout en liaison avec, euh, avec la Chine. Euh, c'est tout ce que je sais sur euh, le sujet. Et je pense que les relations politiques, elles changent toujours, de jour au lendemain, selon l'avantage. Là, on met à côté les droits d'homme, tout ce qu'on appelle le Human Rights Watch, tout ça, à mon avis, ça n'a rien à voir par rapport à ces relations. Je raconte une toute petite histoire au début de la Révolution syrienne. On travaillait, on filmait les victimes et les manifestations, et on faisait beaucoup de reportages. Pour les diffuser sur Internet dans l'absence de médias traditionnels en Syrie. On contactait aussi des chaînes à l'étranger. Et je faisais partie de, cette, de ces groupes des, des journalistes à l'époque parce qu'on croyait à l'idée de euh, donner des preuves des crimes, euh, des crimes de guerre qui condamne le régime d'Assad et ces vidéos et ces photos et ces reportages on a dit aujourd'hui des dizaines de milliers de preuves contre lui rien n'a changé et je pense que malheureusement parce qu'on était un petit peu disons fragile ou naïf même on pensait qu'au XXIe euh, siècle il est impossible qu'un régime fasciste massacre son peuple devant les, devant tout le monde vous vous souvenez peut-être de la phrase, la fameuse phrase d'Obama, l'utilisation la, de l'arme chimique en Syrie, c'est une ligne rouge. Et puis dans la ligne rouge, il relargit, il était ouais. beaucoup plus large et tout le monde s'en fiche de, de la situation syrienne. On n'utilisera plus Loutard, cette expression. Comme, et ligne rouge, maintenant, hein, avec l'Ukraine, on a compris ce que c'est. Euh, c'est une, 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 une ligne multicolore. Une ligne hein. blanche, une ouais. ligne invisible quand même. Ouais. Il voilà. ne bon, faut jamais croire mm -hmm. à ces gens quand même. Le temps passe malheureusement. On pourra rester cinq heures ensemble à discuter, euh, mais c'est pas possible. Euh, je vois qu'il reste dix minutes, un quart d'heure. Alors je voudrais poser une dernière question sur notre plateau à, à Galia, parce que demain il y a un, quelque chose de très très important qui se produit euh, à Moscou. Il y a Xi Jinping qui arrive et qui va euh, redire que l'amitié entre la Russie et la Chine est indéfectible et que la 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 euh, qu'est-ce que ça vous inspire Galia et qu'est-ce que ça peut euh, induire euh, dans les, les semaines et les mois bon on suivra sur euh, LCI euh, vos, vos positions et analyses par la suite mais aujourd'hui même euh, moi, je pense que le grand événement, ce n'est pas euh, en soi la venue de Xi Jinping à Moscou, mais le fait que la Cour pénale internationale à la haie a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine en tant que potentiellement un criminel de guerre. Euh, et donc, pour moi, c'est un événement qui va peut-être définir beaucoup de choses. J'espère de ne pas être trop optimiste. Mais euh, je pense que euh, pour les gens qui défendent la Russie, il sera plus difficile de continuer à défendre cette action russe. Et je crois que sur la scène internationale, la Russie si, sera encore plus isolée qu'elle ne l'est maintenant. Et donc, la visite de Xi Jinping. Est-ce qu'il brave en quelque sorte euh, la vie euh, d'une partie considérable de la communauté internationale en traitant avec un criminel de guerre Est-ce qu'il va essayer de le semoncer pour lui dire que voilà, accepte tant qu'il n'est pas trop tard mon plan de paix chinois, euh, qui pour moi est une coquille vide. Euh, c'est un plan, c'est ce qu'on appelle vos euh, vo pieux parce qu'il n'y a rien de concret dedans, sauf qu'il proclame quand même son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et il faut dire que les Chinois n'ont jamais accepté même l'annexion de la Crimée. Mais d'un autre côté, il se soucie de la, de la sécurité de la Russie, de tous les participants de ce conflit. Or, pour un pays doté comme est la Russie d'armes nucléaires, euh, la question de sécurité, ce n'est pas à nous d'assurer la sécurité de la Russie. C'est la Russie qui peut nous attaquer, mais, mais elle, elle a les moyens pour se défendre. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont augmenter le volume du commerce euh, euh, comme si de rien n'était possible Est-ce que Xi Jinping, en bravant la communauté internationale, va proposer des armes à la Russie J'espère que non. Euh, en tout cas, cette visite a été programmée.